Il y a un énorme lien entre l'islam et le comportement et le fait d'être au service des gens. Regardez la Kaaba. Quand on fait le tawaf, eh bien, pour aller vers le centre, on est obligé de passer par la foule qui est dedans, on est obligé d'être au service des gens. Et si on est au service des gens avec la niyat fi sabilillah, alors c'est formidable. On travaille fi sabilillah, c'est quelque chose où on sert les gens pour Allah. C'est ce qu'il faut faire. D'après moi, c'est le secret de la vie. Le secret du bonheur, c'est de travailler fi sabilillah. Si on ne travaille pas fi sabilillah, la vie, elle n'a pas de goût. Ensuite, par ce comportement, quand on travaille fi sabilillah et qu'on a bien compris qu'on est au service des gens et pas le contraire, les gens voient que vous êtes heureux. Alors ils viennent vous demander « Pourquoi tu souris tout le temps ? Pourquoi tu es heureux ?» Et tu dis juste « Parce que je travaille fi sabilillah, c'est tout. Allah, il me donne le bonheur parce que je travaille fi sabilillah, rien d'autre. » Mais il faut attendre que les gens viennent vous poser les questions, jamais leur imposer quoi que ce soit.